C'est dommage parce que Furman gratte beaucoup de ballons. Et attention, ce ballon, il est complètement seul. Gradel, Gradel là qui va donner à Kodja. Allez, Kodja! Et Loura! Jonathan Kodja! Et la Côte d'Ivoire qui ouvre le score par son attaquant, Jonathan Kodja! Et ça fait 1-0 pour les éléphants! Il devait marquer parce qu'il en a raté une belle en première période. Il était en difficulté, il semblait en difficulté dans cette deuxième période. Et là, sur ce beau ballon de Gradel, Kodja qui ne tremble pas cette fois-ci face à Williams. Ouais, non, vraiment là, c'est. Voilà. Jonathan Kodja, vu que t'as marqué, je m'excuse, frère. Voilà, je m'excuse, c'est vrai que là, il devait marquer. Et encore, regarde le but. On sent que. Voilà, c'était pas simple à mettre, donc en soi vraiment, donc je crois que c'est Gradel qui fait la passe ouais, D. Alors c'est très très bien joué, donc tout seul face au gardien en point de penalty. Ouais, enfin le but est accordé, mais c'est vrai que voilà, on sent que deux secondes plus tard, le défenseur était dessus. Donc vraiment c'est voilà, il peut souffler, Jonathan Kodja, hein. Il peut souffler parce que il avait croqué en première mi-temps. Il remet son pays dans le droit chemin. 1-0 pour la Côte d'Ivoire.